qu'est-ce qui s'est passé après, etc. Donc sur YouTube, vous ne le savez pas. Puis à chaque fois, je m'embarque dans des trucs, mais c'est moche à la fin. Non mais meuf, dégage en fait, tu vois, genre dégage, va-t'en en fait, il te voit, va-t'en. Ah oui, je voulais aussi qu'on parle d'un truc hyper surcoté en ce moment. Regardez la position de Birdie. Birdie, ça va? Tranquille? Ouais? Sur le coussin? Et Birdie, en fait, elle regarde par la fenêtre, là. Et dès qu'elle voit un chien, elle aboie. Bah oui, mon toutou. Oh, t'es mon toutou, t'es mon amour. On va se balader? On va faire une petite balade? Ouais? C'est parti, on y go? Oui? On y va? Pipi? On y va? Tu mets ta laisse? Tu mets ton manteau ou ta laisse? Thalès ? Ok, super. Nous sommes le mercredi 17 février, il est 11h30. J'ai fait la grasse matinée. Pourquoi j'ai mon nez qui est rouge là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait la grasse matinée ce matin. Oh, ça m'a fait trop du bien parce que ça faisait plusieurs jours que je n'avais pas vraiment dormi. Avec tout ce qui s'était passé avec l'enterrement, mes contrôles... mes cours aussi qui sont très tôt. Donc c'était un peu compliqué à dormir. Donc là j'ai pu vraiment... Et hier soir je me suis fait une soirée chill, bougie, vidéo YouTube. Je me suis maté la vidéo de Marion de 1h11. C'était un plaisir, un bonheur. Donc ouais, je crois que jusqu'à 1h30 j'ai fait que mater des vidéos YouTube. Ça m'a fait tellement du bien. Le programme... Bah déjà je voulais vous raconter un peu ce qui s'était passé avec le petit chaton. Parce que vous avez été beaucoup à me demander... en DM Insta, etc. Même si je vous ai beaucoup montré sur Instagram comment ça s'était passé, etc. Mais vous demandez des nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé après, etc. Bon, sur YouTube, vous ne le savez pas. Mais je vais vous en parler un peu mieux dans le salon. Là, pour l'instant, je fais juste ma petite... mes petits soins, là. Bon, c'est très vite fait le matin, les soins. Hein, parce que moi, je veux que ça aille vite. Je veux pas trop me prendre la tête, surtout le soir où... Ouais, le soir, j'en mets des tonnes sur mon visage. Donc là j'applique mon petit sérum, mais la morning routine va bientôt arriver. Enfin je l'ai pas encore tourné, parce que là comme vous pouvez le voir nous sommes mercredi, je suis censée sortir une vidéo le mercredi. Mais en ce moment je sais pas, j'ai du mal à reprendre un rythme. En fait d'habitude le samedi je filme tout le temps mes vidéos, et là le samedi maintenant je me repose. Ça fait bizarre. Donc je me repose et je profite un petit peu, et en fait ça me fait du bien de profiter autant.
Donc bah je filme pas de vidéo alors que je devrais en filmer, mais j'ai pas envie, j'ai envie juste de me poser, de filmer quand j'ai envie et de vous poster une vidéo quand j'ai envie. Donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification parce que comme ça vous savez direct dès que je sors une vidéo. Genre la semaine dernière j'ai sorti une vidéo là, un vendredi à 18h. Vous êtes nombreux à ne pas l'avoir vue dans votre fil actualité. Pourtant j'en ai sorti une donc n'hésitez pas. Parce que je reçois un message en mode ouais t'as pas sorti de vidéo cette semaine et tout. Si bah si, enfin si, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram parce qu'à chaque fois je vous mets dès que je sors une nouvelle vidéo, activez, si vous n'avez pas Instagram, activez la cloche de notification sur YouTube, c'est la petite cloche qui est juste à côté de s'abonner, donc comme ça dès que je sors une vidéo, ça vous envoie une petite notif en disant Elisa a sorti une vidéo. Donc voilà, je voulais vous parler de cette crème qui est juste incroyable. Comme dirait mon copain, de croyable. Oui oui oui, l'humour est très élevé ici. Donc c'est une crème polar. Oh, ça fait, je pense, bien 3 semaines que je l'ai. Et 3 semaines que je l'adore. Enfin, vous connaissez ma passion pour Polar. J'ai la crème de nuit, j'ai le masque de nuit. Je vous ai déjà... Bah tiens, dans ma dernière vidéo, je vous en ai parlé, je crois. Et je vous avais dit, putain, j'ai pas de code promo pour vous. Et bien aujourd'hui, j'ai un code promo pour vous de moins 25%. Je vous l'afficherai juste là. Donc c'est une crème hyper onctueuse, hyper fraîche, qui sent tellement bon. Elle se présente comme ceci. Donc déjà le packaging il ressemble un peu à celui de la crème de nuit. Sauf que la crème de jour ça elle est bleu clair, celle de nuit elle est bleu nuit. 50 ml, donc c'est une très très bonne crème, hyper hydratante, elles sont tellement bonnes, t'as la peau qui sent bon toute la journée. Je suis trop contente d'avoir un code promo parce que comme ça, si vous voulez tester le masque de nuit que j'aime beaucoup, et la crème de nuit et la crème de jour, franchement n'hésitez pas, c'est un pur bonheur. Donc voilà, n'hésitez pas à aller tester cette crème là, je sais pas combien ça coûte mais je crois que c'est pas très cher, enfin c'est un prix basique. Vous avez moins 25%, donc si je peux vous conseiller déjà ces deux produits-ci, n'hésitez pas, crème de jour, crème de nuit. Après, la crème de nuit, c'est souvent très marketing, vous pouvez aussi utiliser en crème de jour, mais je trouve que la crème de nuit est plus riche que la crème de jour. Est-ce que je me suis embrouillée l'esprit, peut-être? C'est plus riche, c'est vraiment plus riche, donc le lendemain, t'as la peau vraiment plus plus rebondie, et toute la journée, t'es hyper hydratée avec ça, et c'est pas gras, c'est pas collant, c'est un pur bonheur. Ça fait longtemps que je vous en parle, j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent Sephora, vous savez, les petits tubes de crème polar nuit, les tout petits tubes, j'en ai fini deux, parce que j'en avais eu deux, j'ai fini les deux, et j'avais reçu ensuite la crème de nuit et je mets. Ça fait quand même pas mal de temps que j'utilise cette crème là, je pense. Même avant le mois de décembre, j'utilisais, hein. Je crois. Depuis novembre, j'ai entamé le pot, je pense. Et vous pouvez voir que, bah, ça se vide pas trop parce qu'en fait, t'as pas besoin d'en mettre une grosse couche sur ta peau. Donc, vraiment, ça, je vous conseille à 4 milliards de %. La crème de nuit, la crème de jour, c'est vraiment des pépites, n'hésitez pas. C'est cool qu'ils fassent des remises. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller checker. Je mets mon petit compte. Tour des yeux où j'en ai beaucoup trop, hop. Et après, est-ce que je vais me maquiller, tiens. En ce moment, je trouve que ma peau, elle est jolie, enfin, elle est rebondie. Après, j'ai toujours des boutons à cause du putain de masque qu'on doit porter. Mais je trouve que ça va beaucoup mieux. Je trouve que mes points noirs aussi, ils ont diminué. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ma petite routine skincare et tout, trop hâte. Donc voilà, en fait, pour les 3 produits que j'utilise le matin, c'est très rapide pour moi. J'ai besoin de rapidité, enfin, 4 produits. J'ai besoin de rapidité et tout, donc... Je pense qu'on va peut-être se faire un léger make-up, mais vraiment léger. Genre les sourcils, un petit peu les yeux, mais je ferai pas le teint. Parce que j'ai envie que ma peau se respire un petit peu. Oh mon chien, il veut des câlins. Oh là là, la petite queue qui s'agite. Oh, le point d'interrogation qui se forme. Dès que Prince, il veut quelque chose, il se met en point d'interrogation avec sa queue. Le beau bouquet, je sais pas qui me l'a offert, hein, mais... Depuis, ça s'ouvre. Ouais, c'est joli. C'est devenu plus gros. Oh mon chien. Oh mon chacha, avec la brique de lait qui gâche tout. Oh là 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 là, point d'interrogation, est-ce qu'il y a point d'interrogation? Ah ouais, elle s'est ouverte le lisse. Ah ouais? Où ça? Ah ouais, il faudra couper les machins. Donc ça colore bichette là. Ma couleur préférée de bichette. Mignon boy. Oh là là, oh oui, ça me rend vie là. Bah oui. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire déjà les sourcils. Ça. Ah, je vous ai pas dit, mais j'ai acheté un pot de cire. Je pensais jamais que j'allais en parler sur YouTube, mais je trouve ça intéressant. Voilà, c'est ça le mot, intéressant. J'ai acheté un pot de cire à Carouf. Là, vous savez, les pots de cire à 8 euros de la marque Nair, les gros pots qu'il faut chauffer au micro-ondes.
et pour faire moi-même les épilations. Parce qu'à chaque fois, ma voisine, qui est une très très bonne amie maintenant, me dit, mais moi je fais ça moi-même, au lieu d'aller à Body Mute et utiliser une cire de merde et de payer 5 balles à chaque fois, plus un abonnement, t'achètes ton pot de cire à 8 euros et ça te fait pas mal de zones du corps en fait. Et moi j'ai toujours peur de ça en fait, de tout ce qui est arrachage de poids, j'aime pas me faire mal à moi-même en fait. Je suis extrêmement sensible, extrêmement fragile, et donc elle m'a dit, mais je te montre et tout. Et c'est la première fois en 23 ans que je me fais épiler moi-même et que quelqu'un me montre comment il faut faire. Parce que moi je ne savais pas comment il fallait faire et ma soeur m'a jamais montré, ma mère m'a jamais montré, enfin personne m'a jamais montré. Donc c'est ma voisine qui m'a finalement montré comment m'épiler. Pourquoi pas. Qu'est-ce que t'as bébé? On m'a vu, tu crois. On t'a vu? Oh là là. Ouais. Donc on s'est épilé les aisselles, donc la première fois, j'avais un petit peu de mal parce que... Enfin, c'est compliqué. Enfin, moi, je suis pas coordonnée. Moi, j'ai du mal à faire plusieurs choses en même temps avec mes bras. Donc, j'ai quand même réussi. Donc, j'étais super contente. Et ensuite, on a voulu faire. Enfin, j'ai voulu faire la moustache parce que j'ai jamais fait la moustache et je voulais trop tester parce que j'ai toujours des petits poils et tout. C'est pas très très beau quand tu te maquilles et tout. Tu mets du fond de teint dessus, on voit tes poils. J'aime pas du tout. J'arrivais pas à sauter le pas. Donc, j'ai pu faire la moustache et c'était hyper rapide et je trouve que ça beaucoup mieux, beaucoup plus lisse et tout doux. C'est trop trop bien, c'est tout doux. Donc il n'y a plus de poils et tout, c'est trop trop bien. Donc après il faut finir un petit peu avec la pince à épiler pour les poils que vous n'avez pas réussi à faire. Mais en tout cas j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander autour de vous pour les épilations. La prochaine étape ce sera le maillot. Le maillot, je pense que ça va être hardcore quand même à le faire parce qu'elle le fait toute seule. Et je sais pas comment elle le fait parce que vraiment c'est... Ça a l'air très très dur. Rien que pour une aisselle j'ai du mal à m'arracher les poils. Donc voilà, juste pour vous dire ça, que j'ai enfin fait moi-même une épilation en 23 ans, c'est incroyable. Voilà. Donc bref, je vais vite fait me maquiller les yeux. Et donc voilà pour le make-up, j'ai fait un truc horrible comme d'habitude. À chaque fois je m'embarque dans des trucs, mais c'est moche à la fin. Genre j'ai mis du jaune, qui fout du jaune là ici. J'ai fait du jaune pastel avec un petit trait marron et des paillettes. C'est moche, hein. Vraiment, peut-être que je m'apprenne à me maquiller. Peut-être que j'essaie de suivre un tuto, tu sais, et essayer, mais c'est incroyable, j'arrive pas. J'ai voulu me faire des taches de rousseur avec un liner marron, sauf qu'en fait le liner il est tellement sec d'un seul coup que j'ai pas pu faire des petits tapotements. Pour mes cheveux, j'ai rien fait. J'essaie de tester en ce moment un shampoing, ça fait plusieurs semaines que je l'ai maintenant le shampoing. Les shampoings solides qui m'a été envoyé par l'agence Grenadine, je pense, comme ça. C'est agréablement surprise. Ça fait le deuxième jour et mes cheveux ils sont pas trop gras alors que d'habitude ils sont gras dès le deuxième jour. Donc voilà, on va s'installer dans le salon et je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé avec les chatons. Parce qu'on a sauvé des chatons. Je suis trop contente. Alors le lundi 8 février, quand je me baladais avec Birdie, j'ai vu des petits chats qui étaient, pas dans ma résidence mais juste à côté, dans une parcelle de je vais pas dire de verdure mais... de terrain à l'abandon entre guillemets. Et en fait ces chats là je les avais vus déjà tout bébés, tout bébés. Je vous avais montré sur Instagram, ils étaient tout petits. Enfin j'avais vu la mère, j'avais vu les bébés, enfin j'avais vu tout quoi. Et là je les ai vus, ils ont grandi et ils avaient je pense 3-4 mois. Et il y avait un petit noir et un petit tigré. Ils étaient tous les deux, donc c'était à la période où il faisait vraiment très froid, où il neigeait. C'était tous les deux recroquevillés l'un sur l'autre. Donc moi je suis allée les voir pour essayer de les choper et les ramener je sais pas où, à la maison, à la SPA ou je ne sais où. Et en fait j'ai escaladé donc le grillage et donc ils se sont barrés parce qu'ils ont eu peur de moi. Donc j'ai pas pu choper les deux chats mais je leur ai donné à manger, donc je leur ai donné des petites gamelles une fois par jour, j'allais le matin en fait. Au bout du deuxième ou troisième jour on voyait toujours pas revenir le petit tigré. Mais qu'est-ce qu'il fout Prince? Qu'est-ce que tu fais mon chat? On essayait à chaque fois de voir si le tigré était là, on avait peur qu'il soit mort, perdu, enfin on avait vraiment peur qu'il soit plus là. Tous les matins en fait je voyais le petit noir toujours au même endroit dans sa petite cachette et à chaque fois j'essayais de le choper le soir, la nuit, le matin, à chaque fois j'essayais, j'y arrivais pas. Alors, je vous en ai parlé sur Instagram que j'arrivais pas à choper en fait les chats et il y a beaucoup de gens qui m'ont donné des noms d'associations pour qu'on puisse les choper avec une trappe et mon copain il s'est occupé de tout en fait, il a appelé 15 milliards d'associations et à chaque fois les assos elles lui disaient on peut pas se déplacer pour ça,
il faut le choper, nous l'amener, mais nous on se déplace pas pour ça. Donc c'était chiant parce que nous on a aucun moyen de choper un chat, enfin sans une trappe, sans rien, on peut pas choper un chat, tu vois. Il a appelé vraiment beaucoup d'assos et à chaque fois on lui refusait. Juste une qui a répondu présente, qui est venue donc le vendredi dernier, donc avec une trappe. Donc on a mis la cage, la trappe près de là où il y avait la bouffe en fait. Je vous mettrai peut-être des petites photos, je sais pas où, genre là, j'ai pris des petites photos. Et donc on a attendu que le petit noir il y aille, il n'y est pas allé, on a attendu au moins une bonne heure. Mais qu'est-ce qui t'arrive mon chat? Je parle d'autre chat, ça a été jaloux. Bon bah bon, chat. Donc on a attendu quand même une bonne heure et au moment où il commençait à bouger, il y a le petit gris qui a couru, mais en mode tel un film hollywoodien, il a couru, genre il était à l'autre bout de la rue, il a couru, il a escaladé, il s'est faufilé entre les grillages et tout. Ça a entraîné le petit noir à aller manger, vu que le petit gris il allait dans la trappe, et ben le noir aussi voulait y aller. Donc on pensait qu'on allait faire une pierre deux coups, qu'on allait choper tous les deux, donc ils étaient tous les deux dans la cage, et au moment où ils étaient tous les deux dans la cage, il y a toute la population qui a débarqué avec leurs chiens, etc. Oh, j'avais envie de tous les buter parce que ça faisait au moins une heure qu'on était dans le froid, qu'on se pelait le cul et qu'ils sont enfin dans la trappe et il y a tout le monde qui s'est ramené. Oh, j'avais envie de les buter. Il y avait une autre meuf en fait qui donnait à manger à ces chats là et donc on la croise et on lui dit ah ouais moi je lui donne à manger depuis 2-3 jours et tout. Et on avait envie de lui dire ne lui donne pas à manger, il faut qu'il soit affamé entre guillemets pour qu'on puisse les choper en fait. Et elle était là, elle se cachait, elle les regardait dans la trappe et tout. Non mais meuf, dégage en fait, tu vois, genre dégage, va-t'en en fait, il te voit, va-t'en, etc. Ah ça m'a saoulée. Ensuite, elle comprenait toujours pas de qu'elle devait se dégager. Il y a un couple avec un gros molosse qui était complètement taré, pas éduqué, qui ne marchait pas aux pieds. Il commence à sentir toutes les odeurs des chats et commence à s'affoler, etc. Mon copain, il vient les voir et leur dit « Écoutez, on est en train d'essayer de choper un chat, est-ce que vous pouvez vous mettre sur la droite pour ne pas faire peur aux chats ?» Et je sais pas s'ils ils sont cons ou ils sont cons. Ils se mettent sur la gauche, là où il y a les chats. Donc le chien, il est à fond, il saute sur tout le monde. Ah, ça fait quoi? Ça a fait fuir les petits chats de la trappe, donc ils sont partis. Donc il y a le petit gris qui part à l'autre bout pour aller se cacher. Le petit noir qui revient à sa place initiale. J'étais vénère quand j'ai vu qu'il y avait toute la populace qui débarquait. Non mais ça m'a saoulée. Donc on a fait fuir. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'expliques? Mais t'es complètement con toi aussi. Non mais il monte sur la télé, non mais jamais vu ça. Oui, il avait mis ses deux pattes là, et ses deux pattes là, ils étaient comme ça. Je l'aime ce chat, il est vraiment incroyable. Le petit noir est quand même rentré dans la cage et il s'est fait choper. Donc on a chopé le petit noir, donc on était content. Donc la dame de l'association, elle a mis une couverture dessus pour pas qu'il soit trop affolé, etc. Donc on l'a chopé. Ensuite on l'a mis dans une autre cage, donc une cage de transport. Donc on a fait le transfert et après on l'a mis dans la voiture. Et comme on a vu le petit gris, on s'est dit bah tiens on va choper le petit gris. Donc on remet la cage là où elle était. Et là on voit quoi? La mère débarquer en mode film hollywoodien, on aurait dit la mafia russe, hein. Elle avait une cicatrice et tout. En plus elle est rousse et c'est une femelle donc c'est hyper rare de voir ça. Si on arrive à la choper, on l'appelle Vladi. Hein. Ah ouais, on l'appelle Vladi. Elle a la tête de Vladimir Poutine. Je te jure, elle a une tête de Poutine, c'est horrible. Et donc à un moment donné, donc elle rentre dans la cage à trappe et on était en mode yes, tu vois, on va la choper enfin. La meuf, elle est tellement intelligente qu'elle prend la bouffe mais elle la pose ailleurs pour pouvoir la bouffer, non, donc elle active pas la trappe en gros. Et pour manger ce qu'il y avait derrière la trappe, elle a mis ses pattes sur les côtés de la cage. C'était Spider-Man. Spider-Man. La meuf, elle a trop l'habitude en fait. Et donc, il y a le petit gris qui avait la dalle, tu vois. Et donc, il commence à vouloir essayer de rentrer dans la cage. Donc, il rentre dans la cage, il pousse sa mère. La mère, elle fait un bond en arrière. Il arrive dans la cage et il s'est fait choper donc avec la trappe parce que lui, il est pas intelligent. Elle a touché la trappe, hein, le mécanisme. Donc ça s'est refermé derrière lui. Et donc la mère, elle était là en mode bah merde, ma bouffe, elle est où quoi? Elle s'en battait les couilles de ses enfants. C'était plus la bouffe. Donc on a réussi à choper le petit gris. On était trop contentes. La dame de l'association, on pouvait plus rester. Mais elle nous a dit d'amadouer la mère, etc.
Mais en tout cas, on a failli choper la mer, on a failli faire toute la colonie, mais il reste encore un chaton, il me semble, parce que j'en avais vu trois. Ouais, donc bref, on a réussi à faire ça. La dame de l'association nous a envoyé des photos, donc je vais vous les mettre juste là. Ils sont trop mignons. Le petit noir, moi j'aimerais bien l'appeler Karma, il est trop beau, il a une petite tête de Karma. Et le petit gros, on dirait trop Chippy, le chat de mon beau-père. Au début, on voulait essayer de les adopter, de les prendre, etc. Enfin, mon copain surtout, il voulait prendre les deux. Moi je suis un peu plus réticente dans le sens où moi je suis bien avec mes deux animaux. C'est un coup hein, de chat. Ah, mais je voulais prendre les deux, c'était pour te faire chier en vrai. Si le problème c'est que comme ils sont frères et sœurs et qu'ils sont nés ensemble et qu'ils ont toujours été ensemble, même quand il faisait froid, ils étaient bloutis ensemble, tu vois. Donc ça me faisait chier de les séparer. Ouais. Si on voulait en adopter un, il fallait forcément adopter le deuxième. Pour moi, je pouvais pas en prendre un sans adopter le deuxième. Et comme toi t'aimais bien le noir, bah, j'étais en mode, bah il faut prendre les deux, tu vois. Je veux pas prendre que le noir et puis l'autre, nique sa mère, tu vois. En soi, ça m'aurait pas dérangé d'avoir les deux en plus. Genre, moi non plus, mais moi je pense toi, plutôt dans l'avenir, toi, quand ils auront 10 ans. Ah, c'est pas ça, c'est que toi tu veux aussi un chat. Moi je veux un Kun-Kun. Un peu particulier, tu préférerais une Kun-Kun. Moi je veux un Kun-Kun et je me dis, si on a 3 chats et si je veux un Kun-Kun, bah je pourrais plus en fait, parce que mon appartement il est pas extensible non plus, ils ont besoin d'espace. En plus, un Maine Coon c'est gros, ou un Sibérien, un Norvégien, moi j'aime bien ce genre de chat. Et le truc c'est qu'il y a la litière aussi, enfin tout, c'est un investissement et c'est super cher au bout d'un moment. Et quand ils seront vieux, il y aura des soins médicaux. 3 chats ça coûte très très cher. Donc c'est pour ça que moi ça m'a restreint. Sinon, si j'avais pas pensé à ça, oui, je voudrais trop avoir ces deux petits loulous parce que on a une histoire avec eux. Mais sinon, je suis sérieuse, moi je suis une meuf très sérieuse et qui pense dans l'avenir, et je vois que dans l'avenir ça sera un peu trop compliqué. Tu dis des bêtises, il n'y aura pas de frais médicaux, il y a juste à leur donner plein d'amour et hop, il n'y a plus de maladie. Bah bien sûr. Donc on a eu des nouvelles de l'association, donc ils ont essayé de les approcher, etc. Bon, ils sont très 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 sauvages, hein. En même temps c'est des chats qui ont vécu dans la rue. Elles ont bouffé la main d'une meuf. Ils ont bouffé la main d'une meuf. Ils ont griffé une autre. Ouais, ils ont griffé une autre. Mais là, ils se sont laissés approcher, je crois, non? Ouais, ils arrivent à les caresser maintenant, j'ai eu les nouvelles et tout. Donc là, ils arrivent à les caresser. Ouais. Elles peuvent leur donner à bouffer. Ils sont encore très craintifs, ils se cachent, tu vois. Mais ouais, ça va, ils agressent plus les mains. Mais ça va faire une semaine, hein. Ça fait pas beaucoup de temps en soi, donc ça va, je trouve. Mais voilà, c'était les deux petits loulous, donc ça fait plaisir. On a galéré quand même. Hein. Là, je suis en train d'essayer de me faire à manger. Donc j'ai mis des haricots comme ça qu'il faut faire de base à la vapeur, sauf que moi. Enfin, vous me connaissez, j'ai la flemme. Donc je le fais comme ça dans une poêle beaucoup trop petite. Je mets un couvercle, ça fait la vapeur. Je me suis fait aussi deux petits colins d'Alaska. De base, j'en mange pas beaucoup du poisson. Il y a que ça que j'arrive un peu à avaler. Mais en fait, il faut vraiment que je mange des protéines, du poisson ou de la viande. Et j'essaye d'alterner, faire une fois par semaine du poisson, une fois par semaine de la viande. Parce que sinon, je ne mange pas de viande. Ni rien. Tout ce qui est tofu, je sais pas trop quoi, j'aime pas du tout. J'ai essayé tous les tofu, c'est pas ma tasse de thé. Donc faut que j'en mange un petit peu pour mon corps, parce que je sens un manque au niveau de mon corps. Et aussi je manque de magnésium, parce que pendant une semaine, mon œil il a pas arrêté de faire boum boum boum. Là il s'est écrit en boîte de nuit, là ça m'a saoulé. Donc il faut que je mange quand même, parce que je ne mange pas beaucoup. Sinon on a récupéré donc 3 autres trucs comme ça. Donc on a placé la tomate ici, parce qu'elle prenait beaucoup de place et beaucoup de lumière, enfin elle prenait toute la lumière en fait, donc on l'a placée ici. Là on a placé donc la ciboulette qui était bien, bien avancée, là c'est le basilic. Alors, en fait voilà, vous mettez de l'eau et après ça le fait tout seul, vraiment on n'a rien fait. Et je vais vous montrer toutes les tomates qu'il y a. Donc là on va peut-être installer un fraisier, on va mettre d'autres petites choses. Donc en fait c'est des petites baguettes que tu mets à l'intérieur. Ça coûte 100€ le lilo de base, mais il y a souvent des promotions. Genre c'est trop beau, genre ça pousse vraiment super bien. Donc en fait on a enlevé une tige pour que ça puisse, comment dirais-je, se concentrer que sur cette. Je pense que même il aurait fallu couper d'autres tiges, hein. Mais comme ça tous les nutriments vont dans les tomates et vont pas se propager un peu partout. Ça va plus être concentré en gros. Là il y en a plein, regardez ça, c'est incroyable. Sinon tout ce bordel n'a toujours pas bougé. En fait là-dedans c'est les vêtements Vinted qu'il faut que je mette en vente. Vous savez, les vêtements à 1 ou 2 euros, enfin des vêtements qui m'allaient pas. Donc je vais vous les mettre sur Vinted, mais j'ai toujours pas eu le temps de prendre en photo. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur mon compte Vinted, c'est pour Napi. Bah Juliette, est-ce qu'on a vu ta gamelle? Je sais pas. Tout ça là c'est pour mon père. Là c'est le terrarium qu'il faut qu'on fasse, on n'a toujours pas fait. Et là c'est les livres que je vends, mais que je vais donner à une asso, je pense. Sinon, donc là avant il y avait le lilo, donc on l'a placé dans la cuisine. J'ai mis ma petite orchidée, elle est trop belle, elle vit, hein, je suis trop contente. Elle est pas mal,
très 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 contente. Et j'ai mis une petite fleur ici. Et là, j'ai acheté une autre petite plante. Donc c'était 3,70€ à Truffe. Elle est trop 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 jolie. Enfin, moi j'aime trop ce genre de petites plantes. Ma petite bougie Party Light qui est assez chère. Hein. Ça, vous l'avez dit dans les commentaires, c'était assez cher. C'était un peu les bougies de luxe, je vous confirme. Et là, je suis en train de finir donc ma petite jolie candle. Après ça, ce pot-là, je vais le réutiliser en pot à crayon. Comme ça je pourrais mettre encore mes crayons. Et là c'est toujours le panier de mes loulous avec la plante qui est au-dessus qui a toujours pas bougé. Mais en fait ce que j'aimerais faire c'est que soit ici, soit là, je sais pas trop mais pour l'instant ça va être du bordel ici. Mais j'aimerais bien faire un espèce de petit coin plante avec une étagère avec plusieurs niveaux vous savez. Et mettre des petites plantes et tout dessus, je pense que ça pourrait être joli et moi j'aime trop ce genre de choses. Donc c'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps. Et j'ai vu une étagère sur la farfouille qui irait parfaitement en fait dans le coin. Mon copain il est d'accord, donc je pense que je vais faire ça bientôt. Et pour l'instant, voilà, il y a encore un peu de bordel, donc ça va patienter. Ensuite sur le balcon, donc j'ai tout bien rangé, j'ai tout enlevé, j'ai tout vidé et tout. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai pas encore monté ce petit truc là que j'avais reçu à Noël. C'est des jardinières à 3 niveaux, donc ça c'est vraiment pratique. Pour des plantes qui ont besoin de beaucoup de soleil, peu de soleil ou moyennement du soleil, c'est vraiment pratique. Genre par exemple la menthe, il faut la mettre tout au-dessus par exemple, donc ça c'est vraiment bien. Et puis bah, je vais tout nettoyer et tout, je suis trop contente. C'était vraiment un bordel sur le balcon, mais fou. On va mettre du beurre. J'ai pas de beurre salé, mais d'habitude je mets du beurre salé. Voilà, et comme il n'y a pas de sel dans le beurre, bah on va mettre notre propre sel. Oh, j'en ai mis peut-être un petit peu trop. Ce qui est bien, c'est qu'avec ces assiettes-là, bah, ça déborde pas. C'est ces assiettes que j'ai achetées à Casa. Je vous ai montré dans un vlog, je vous mettrai dans le petit si vous ne l'avez pas vu. Ah, d'ailleurs, j'ai toujours mon bon de 10€ à Ikea, enfin, peut-être que j'y aille. Mais je sais pas quoi prendre à Ikea. Peut-être des étagères. Eh bien moi, je trouve ça très qualitatif. Hein. Peut-être un peu de maïs. Allez, soyons fous. Pour allier le chaud... et le croquant. Donc moi je suis plus légumes que protéines ou je sais pas trop quoi. Moi je suis plus ce genre de choses. Je pourrais ne faire que des bowls toute ma vie. Manger des salades de tomates, avocats, maïs, ça c'est vraiment ma vie. Et manger ce genre d'haricots que j'ai acheté à Lidl. Ils sont tellement bons. C'est donc du congelé. Mais je suis fan parce que c'est croquant en fait. Ah, je vous ai pas montré sur YouTube mais on a finalement mis le bout de canapé là-bas. Ça fait beaucoup mieux dans toute la pièce. On a fait ça sur Instagram. Je vous ai montré les divers choix avec le tapis parce que ça posait un peu problème. En fait il est trop petit le tapis. On a pris la taille en dessous et il fallait prendre la taille au-dessus. Donc en gros on vous montrait en fonction du tapis. Donc au final on l'a mis comme ça parce que je trouve que c'est la meilleure solution. Donc en gros on a mis le comfy au-dessus du tapis. Birdie qui boit. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Au début, on voulait se faire rembourser celui-là pour pouvoir prendre un taille au-dessus. Sauf qu'en fait, il n'y avait plus la promotion. Ça nous coûtait beaucoup trop cher. Donc, avec les poils de bichette. Putain. Je suis contente. Maintenant, je passe tout mon temps là-bas, près du chauffage et tout. Non, moi, je suis contente. En plus, il y a Josette qui passe bien. Donc, au moins, ça c'est cool. Parce que c'est ça, en fait, le problème au début. C'est est-ce que Josette allait bien passer dans toute la pièce? Au final, oui. Ah oui, je voulais aussi qu'on parle d'un truc hyper surcoté en ce moment. L'avocado chicken, là, je sais pas quoi, de chez McDo. Je l'ai goûté, mais l'avocat, mais c'est... Y a rien. Il y avait juste une petite louche d'avocado, mais c'est tout. Et c'est un peu, ça pique, hein, c'est un peu épicé. C'est trop surcoté, je trouve. Moi, j'ai pas du tout aimé. Enfin, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Donc, si vous avez l'occasion de goûter, allez-y. Mais franchement, c'est pas quelque chose de foufou. Bref, je pense que j'en ai fait le tour de ce vlog. Je vais peut-être le monter et l'uploader aujourd'hui, si j'ai le temps. Comme ça, vous aurez un vlog aujourd'hui. C'était vraiment pas prévu. Je filme, je monte et je la poste. Oh, faut que je fasse aussi mes fiches d'arrêt pour mon droit des affaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Je vous raconte tout ce qui se passe en droit des affaires. Vraiment, c'est pépite. Vraiment, on se tape des barres tous les vendredis à 19h. Je vous fais un petit débrief de ce qui s'est passé dans mon cours parce que vraiment... Vraiment, c'est fou. Bref, voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.